Salut du gamer, c'est Miaou pour la Miaou TV. Aujourd'hui match vraiment exceptionnel. C'est la finale des masters des jeux vidéo, c'est déjà live. J'ai même pas mis le radar, mais quel professionnalisme ce chaton. Allez, c'est parti, Verigames contre LDLC, c'est la première map. C'est-à-dire Toscane, et attention, on va mettre une petite pause. Et voilà, on est reparti sans problème. Et c'est parti, le GRD Verigames. C'est quoi, c'est du full room B, on rush en Z apparemment. Z et en même temps pente B. Bah, je qui a fait très très mal côté LDLC, mais pas de problème, hein, les Verigames qui sont passés en B suite à la double HE, ça a empêché même ça a empêché de simplement les LDLC à être sur le BPB, mais les LDLC sont là pour reprendre le BP, bien que les frags soient faits côté Verigames, on peut le voir, c'est du 2 versus 4. Allez, Shoxy qui a réussi à faire tomber Choc au niveau de la pente B, c'est du 2 versus 3 en faveur des LDLC, LDLC qui sont très bien même, mais bon. Verigames aurait pu mettre le round. Les DLC ont été super, tout simplement. Un match qui commence très rapidement. On n'a même pas le temps d'expliquer les conditions. Allez, le round, normalement, il va peut-être se calmer un peu. Les Verigames qui, à mon avis, vont pas retenter un truc rapide dès le début. Moi, je l'espère. Bah, comme vous le savez, c'est la finale master des jeux vidéo français. Et c'est la classe quoi. Je voulais pas le commenter, puis je me suis dit en fait si ça serait bien vu que je suis commentateur CSS, autant le faire. Et on voit une agression sur le radar là de la part d'un des CT, on se met sur Vue d'Existence, qui agresse la Panta, qui est en tout cas avancé, vous voyez ici. Qui est très avancé, mais il a pas fait de bruit. Et ça peut être un avantage, sauf qu'il y a deux Verigames dans le tunnel B pour un peu pallier à ce désavantage qu'ont les Verigames à ne pas avoir l'info. Ouais. Ce qui a tenté de l'écale, c'est bien. Smitski venge directement son adversaire. Pour l'instant là, c'est Uzi qui s'occupe de Nathan. Donc ça fait du 3 versus 4. Voilà. Ah, ils sont sortis sur le BP, hein, on peut le voir. Sauf que bah ils peuvent toujours pas planter. On a Choc qui fait un joli mur. Et il reste plus que Choxy qui était tout seul face à 3 LDLC. C'était impossible pour lui de mettre le round. Voilà. Alors donc bah, les DLC NG qui ont mis le GR, ils mettent le second round. Et du coup bah les Verigames qui vont devoir encore partir. Oula, on a eu apparemment un plantage, je sais pas quoi, mais. Ouais, ouais c'est ça, Choxy qui a dû planter. Ok, donc ils vont tenter une temporisation au niveau de la room B, attendre le rush, vu qu'ils ont vu que ça jouait agressif, Existence a dû leur dire, bah bon les gars. Ce qu'on va faire, vous attendez un peu que ça nous rush, et puis on les frag. Même si, à vue de nez, voilà, ils ont pratiquement tous des glocks. Ça va être très dur. Vous voyez sur le radar que les CT sont bien avancés hein, dans cette rombée. On va essayer de se mettre sur leur vue, ils n'y voient rien. Mais ils se doutent qu'ils sont quelque part par là. Ils peuvent pas être dans la rombée, quoi. Ça serait trop facile. Si... Et ils bougent pas, ils sont avancés, ils ont leur ligne. Et c'est ce qu'ils vont faire, ça sert à rien de les rusher. De toute façon, vous avez les armes. Ça sert à rien d'aller se donner et leur donner donc des FAMAS, des M4. Allez, Schmidt qui fait l'ouverture, sauf qu'on a Scream qui fait le premier frag, ça sera tout pour lui. Schmidt double frag, mais Choxy est choqué. Il est là pour combler le petit écart de kill qu'a fait Schmidt. RPK avec un simple Glock, il nous renverse l'issue d'un round. Et il a 6 HP, il sait pas d'où ça lui vient, il va se faire tuer dans le lot. Dans 3, 2, 1, maintenant. Et voilà, Isoka qui met on peut le dire, une petite MS, hein. Il était déjà groupi quand il a pris la tête. Merci d'Interpolec de CSS. Du coup, 3 à 0, les Verigames qui ont des sous pour acheter. Du coup, en toute logique, ça devrait être équilibré, même si les LDLC ont plus le moral. Mais les Verigames sont imbattus, donc on peut dire qu'ils ont aussi l'avantage. Donc c'est égalité. Voilà, hein, voilà. Tout ça pour dire qu'ils sont à égalité, n'empêche. Je m'applaudis moi-même. Alors, côté LDLC, bah, oh, formation bizarre. C'est une agression à 3 dans la room, dans la panta. J'ai jamais vu ça. Et ça paye, vu que Choc vient de faire le kill avec les sur NBK. Et on a les Verigames qui se dirigent à 3 dans le Z, comme vous pouvez le voir avec Smith au niveau de la pente B. À mon avis, ça va être Smith qui va faire la pas. Il aurait dû faire la pas, sauf que Existence a été plus rapide à tuer Uzi. Scream qui venge un peu son coéquipier. Eh, Smitty est là, il a du répondant. Hop, tu feras pas plus de kills. Les flashs qui sont lancés des deux côtés. Hein. Là, c'est du 3 versus 3 en faveur des Verigames, vu que la bombe est posée. Verigames qui prennent des lignes, ils chercheront pas le fry.
X qui est très avancé dans le L. Attention, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non, Existence le calme. Oh, joli là, de la part d'Existence, comme on peut le voir. Hisoka qui était sur le BP, mais il a rien pu faire. Smith qui avait une position plus avantageuse que la sienne, c'est-à-dire qu'il était au-dessus. Ouais, c'est ça, il était au-dessus. Je cherchais un peu mes mots, c'est normal, hein, c'est un peu le soir. Pour vous raconter ma vie, il est 1h10 du matin. Et ouais, c'est classe. Alors, vous en foutez un peu de Open. C'est juste le streamer de Icecore TV, il y a eu plein de plantages. Donc, les DLC qui sont en écho, il y a seulement Shox qui s'est avancé, du moins pour l'instant. Bah écoutez, ils vont pas tenter de rusher, hein. Ils savent que les Very Games prennent des lignes à circuler. C'est plutôt un bon choix. Shox qui l'a pas entendu. Chacun a pas entendu que derrière lui ça rushait. Vous voyez, mid, ça a lancé quelques flashs. Attention aux LDC qui sont 3 en B par contre, ça va être assez difficile de passer justement. Et des flashs DHE qui sont lancés un peu partout. C'est la fête. Et les Virgams qui passent directement par le ZR, PK qui ouvre, Smith pareil. Le BBB qui est libre. Alors, il suffit juste de faire le kill sur Easy et c'est libre. Par contre le backup qui est très rapidement fait. De la part des LDLC. C'était le choc Isoka, mais bon. Ah. Pas très rapide, tout ça. À noter quand même que les LDLC, ouais, les LDLC de cette line-up là, c'est l'une des rares line-up à avoir inquiété, en tout cas, Very Games. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, qui sera sur Inferno, vu que je vais faire les deux maps. Normalement vous connaissez déjà les résultats, hein. Je peux vous spoil, il n'y a que deux maps. Hein. Attention, la RPG qui agresse le Z directement. Bien joué ça, il avance en slow pour pas se faire des cales à sa gauche. C'est vrai que j'aurais peut-être jeté un coup d'œil moi à la gauche. Après bon, je connais pas le timing exact, si l'aurait vu ou pas. Ça tente des cales, ça tente vraiment de jouer le B. Il voit que la faille elle est en B. On a eu s'il vient de mettre un de ces trucs. Waouh quoi. Ah le backup qui est directement fait pour le B. J'ai envie de boire mon coca mais je vais pas le faire. RPK et Nathan qui font les kills. Ah, ça passe en B, il reste plus que Scream qui est tout seul. Oh Scream, jolie tête là, la part de Scream. Scream, jolie double tête. Allez, il peut faire encore un kill. C'est vrai que Scream a été monstrueux durant ces finales. Depuis qu'en fait qu'il a quitté 3D Max. Moi, depuis qu'il est chez les 3D Max, c'est vraiment une bête ce mec. Il a vraiment le potentiel pour devenir un RPK ou quoi. Ce qu'il manque là, c'est l'expérience. Et l'expérience, il l'aura grâce à ses joueurs comme Hisoka, comme Shock, comme Uzi. Peut-être pas Uzi, même si c'est vrai qu'Uzi a quand même de l'expérience, mais rien que Shock peut lui apporter toute l'expérience qu'il lui faut. Après peut-être un petit problème au niveau de la mentalité, je vais pas m'éterniser là-dessus, je connais pas tant que ça le Scream, je connais pas du tout, mais bon, on peut voir quand même que je vais faire ça après la fin du round. Shoxi qui va faire l'ouverture, du coup le mid n'est plus cover, il joue à de la penta les LDLC. Et du coup bah ça fait move toute la défense. Et ouais, les Veriams qui ont peut-être tenté de partir pour du B, on peut le voir sur le radar. Oh, ce niveau de la partie, on s'en fout un peu grâce aux deux kills d'Existence. Oh, Scream qui fait qu'il reste plus que Uzi. 3v1, on peut déjà savoir que c'est perdu pour Uzi. À moins qu'il nous sorte l'exploit national. Savoir que je n'ai pas vu entièrement le match vu qu'il y a toutes les coupures, etc. qu'il y a eu. Je raconterai ça aussi après la fin du round. Quoique non, je peux le raconter maintenant. Allez, je vais raconter maintenant. C'est fini pour Uzi. Hein. Soit il est KO, soit il lose. Donc c'est simple, hein. Il y a eu plein de coupures avec les sources TV. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, voire toutes les 10 secondes, ça nous a un retry, nous qui étions sur la source. Et du coup, vu que je commentais la finale sur Netgaming à 10h du matin, sachant que j'avais fait nuit blanche, ça a été très très dur pour nous. Parce que déjà mentalement, quand on se fait retry comme ça. On sait pas comment, bah c'est chiant. Et en plus bon, on était fatigué, donc ça a été très très dur à commenter. Voilà. Et donc je parlais de Scream, c'est vrai que je le connais pas énormément, pas du tout. J'ai jamais joué avec lui, jamais parlé avec lui.
Mais c'est vrai que sa réaction avec Shox qui part le 3D Max et qui ensuite lui aussi livre parce que Shox part, bon, c'est un peu une réaction bizarre, quoi. Laisser ses mates en plan, alors que 3D Max, honnêtement, avec ASP et APX, ça aurait pu faire quelque chose de beau, quoi. Au passage, c'est vraiment dommage pour 3D Max qui aurait pu être. Qui a fait du beau boulot, quoi. Et ils ont été remerciés comme ça, quoi. En claquant des doigts. Voilà, APX. Ouh, ça fait mal au moral, ça, APX. Bon, ça va, il met une petite tête sur Existence. C'est toujours ça de près, hein. Allez, on va revenir au match 3 versus 2. Les Games qui sont en avantage en supériorité numérique. La bombe qui va être posée en A. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Smith était à l'autre bout de la map. Par exemple, ça aussi. Attendre que le round se finisse, là c'est du 2 versus 2, c'est vraiment jouable pour les LDLC, la bombe qui n'est pas posée. Donc les LDLC normalement qui n'ont pas cherché le frag, ah si là il faut vraiment qu'ils se bougent un peu le cul vu que la bombe maintenant vient d'être posée. Les Very Games qui sont plutôt mal positionnés on va dire, parce que Shox ne peut pas. Enfin, c'est RPK qui ne peut pas bouger. Donc le fait que RPK soit un monstre, ça comble un peu le fait qu'ils soient en défa. Qu'ils sont un peu mal. Et voilà, Shox, joli. Par le choc, je suis un footy freeze, excusez-moi. Bon, j'y peux rien, c'est le PC, il supporte pas Fraps. Voilà, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, mon PC est trop puissant pour faire tourner Fraps et CSS en même temps. Ouais, donc je parlais de quoi? Voilà, j'entends souvent dire des fois en mix, en team, ouais mec, dépêche-toi, tu poses la bombe alors que on est à l'opposé. Ouais, faut arrêter de gueuler sur ces mates qui ont la bombe. Voilà, parce que vous la lâchez, lui, il fait juste son boulot. Enfin, bref, c'est. Voilà. Oh, mais il y a vraiment une série de TK en ce moment. Ça doit être la mode, mais bon. Uzi qui a vraiment, vraiment comblé son TK. Là, il a fait 3 kills. GG de la part de Uzi. J'ai vraiment pas suivi le match, là, depuis tard. J'arrête pas de parler, parler, parler. Mais il n'y a pas rien à dire, quoi. Alors, Uzi full team, tranquille. Et en plus, il a fait un TK, donc 6 kills. C'est inédit dans le monde des vidéos. Donc, si vous êtes un movie maker, eh bien faites une movie là-dessus. Voilà. Et pas un clip, parce qu'un clip de 10 secondes là-dessus, ça vaut pas le coup. Attention, je bois du coca. Et voilà. En bouteille. Quelle honte. Donc, les Meriem, ça, ils vont tenter une agression à vue de nez comme ça. Ça part à 2 dans le tunnel et 2 dans la rumba. Pendant qu'un couvert à la rombée, ce qui s'est vraiment agressé à chaque fois, je crois c'est NBK. Les Smith là, qui c'est bien, il fait une belle ouverture. APX qui se venge. Attention à la porte, Choc qui a très bien compris. Choc qui rate un peu le faire le frag. C'est RPK qui finit un peu l'enchaînement de frag. Du coup c'est du 2 versus 2, ils vont tenter de reprendre, on dirait, le A2 par la Panta. Ah non, Scream qui a compris que son mate était déjà devant la Panta. Ils vont retenter de les reprendre en sandwich, sauf que ça va être dur quoi. En face, il y a deux monstres, c'est NBK et RPK. Deux pseudos qui s'unissent en K. Ça peut faire mal. Ça fait mal tout simplement. Et joli, ça RPK, vous voyez, il hésite pas, il agresse, même si il s'est fait tomber. Il a réussi à faire tomber Uzi. Et NBK qui finit, ça c'est bien joué. Vous voyez, faut pas avoir peur, faut tenter des fois le décal quand il faut. Ce qu'a fait RPK, ça a marché. Trouvez votre style de jeu, et là vous augmenterez mais de 10 fois votre skill. Conseil que. C'est un conseil quoi, tout simplement, et qui est vraiment valable quoi. Trouvez votre jeu, ne soyez pas trop défensif, ne soyez pas trop agressif. Et là vous verrez, quand vous aurez trouvé le juste milieu pour vous, ça sera tip top. Et attention, agression mid là de la part de je ne sais pas qui. C'était Choc, voilà, je pensais vraiment un petit ami. Pendant que les DLC sont à 3 en B, ça back pas du tout. Alors sur le radar, il y a une petite hésitation, c'est pas bien ça d'hésiter en plein match. Ouais, du coup, il reste à 3 dans le BPB. Pendant que les Very Games temporisent, ça c'est bien joué, ils attendent que les LDLC fassent l'erreur, vu qu'ils sont en écho, ils vont sûrement tenter de rush. Bon, c'est pas le cas, mais c'est comme ça qu'il faut le jouer, quoi. Faut pas aller se précipiter directement dans la rush. Bon, des fois, c'est ce qu'il faut faire. Là, face au LDLC, ils auraient pu être 5 en A. Donc c'est bien joué de la part des Very Games de ne pas s'être engouffré dans le middle, en tout cas. Et c'est bon, ça se réorganise, ça va foncer en A, ça c'est bien joué.
Ça va être Existence qui va sûrement bah, prendre le backup. Voilà, il va prendre le backup, il va pas. Ah non, il le prend pas. C'est pas si il le prend de loin, peut-être pas. Ah, les DLC, là, les Verigames qui sont vraiment en slow. Et par contre, ça c'est un peu une erreur, on va dire, des DLC, de pas avoir compris que ça aurait pu être en A, quoi. Personnellement, je m'en serais douté. Allez, kill qui s'enchaîne, 3 versus 4. Faveur des. J'ai raté le DLC, vu que d'abord on n'est pas posé. Mais bon, voilà quoi. En face, il y a RPK, Uzi qui fait double kill, mais Nathan qui venge. Bien joué. Du coup, ça fait du. Bah, c'est le 11e round, quoi. La 12e round qui est en train de se dérouler. 7 à 4. Est-ce qu'ils vont tenter une double écho? Non, ça va pas tenter double écho. Hein. Ça n'a pas le droit de faire une double écho de toute façon. C'est interdit par la loi de 1979. Il y a eu quoi en 19... Non, il n'y a rien eu en 1979. Non. Du moins de tête. Et ça a été une double action. Non, ça a été une phase d'agression, on dirait, de la part des LDLC, sauf qu'il ne va avoir personne. Ils vont juste tenter leur agression en A. Sur Isoka. Isoka et Apix étaient bien mis dans leur tunnel. Ah, c'est très bien joué. Bonne initiative là, des LDLC. Qui stoppe vraiment l'agression comme ça. Des vrais games qu'on a pu voir depuis tout le temps. Ils font tout le temps ça. Même à l'époque de Reyna, mais avant RPK, avant tout le monde, quoi. C'était ça. Ouh, joli la part de Scream. Ouais, donc je disais ça, c'est vraiment un classique des Verigames sur Tuscan. Ils font toujours ça. Et s'il pouvait y avoir une caméra, vous rigoleriez. En fait, je tiens ma bouteille de coca du bras gauche. C'est trop la classe. Comme une peluche, quoi. Et ouais, je la serre contre moi. J'ai vraiment un problème. Attendez, je pose la bouteille. C'est histoire en fait que le freestyle passe plus rapidement pour vous. Parce que c'est vrai qu'un freestyle, c'est long. Enfin bref, fast agression, toujours des LDLC au niveau de la ronde B. Sauf que cette fois, les Verigames vont y être, ils sont en écho. Et ça agresse même au niveau de la pente B, attention. On le voit pas. Ah, maintenant on va le voir. Hop là, il décale avec son AWP, c'est Choc. Choc qui fait le kill. Scream qui venge. Oh joli, triple frag. Excusez-moi. Quadruple frag de Scream. Ça a dû faire crier un peu les Verigames. Jeu de mots. Scream. Non, ça marche pas. Ok. Au revoir. Enfin. Les Verigames qui ont un rendez souvent assez énergique. Et oui, les LDLC qui se laissent pas vraiment. Qui se laissent pas vraiment faire. Hein. Ils viennent de mettre 2 rounds d'affilée. On est chaud aussi chez LDLC. Hein. De toute façon, dans tous les cas, de toute façon, ils sont qualifiés pour le SWC. Hein. Ouais, c'est ça, ils sont qualifiés. Ils ont rien à perdre. Allez, joli, à la part de Smith, ça ouvre le BP. Scream qui vient de prendre Nathan dans le dos. C'est pas bien de prendre les gens dans le dos. Ça fait lâche. Bon, sauf que sur CS on a le droit. Ça permet de faire le frag plus facilement. Et Scream, oh là là, même si j'étais déjà faire un triple kill. Mais bon, Scream qui poke gavé. Oh allez, Scream. Scream! Eh ben non, RPK qui le calme. Voilà. Vraiment joli de la part de Scream. C'est bien joué. 8 à 6 pour les Very Games. C'est là, il faut tout donner. Là, on achète tout. La LDLC. Oh. Ah, ça s'achète, c'est bon, c'est bien. J'ai cru que ça allait faire une petite erreur assez courante, c'est-à-dire ne pas avoir de sous pour le last round en fait. Ça, c'est pas cool. Enfin bref, côté Verigames, ouh, quelle fast agression. Et ça c'est splendide de voir ça. Smith qui ouvre la penta. Smith, alors c'est pas le double frag de Smith, c'est le frag de Nathan. Qui finit. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, hop, 7-2. Vous voyez, temps de chargement rapide, direct, c'est reparti, go! En fait, c'est pour éviter, je crois, qu'il y ait tous les moments d'attente. Enfin, bref. Donc du coup, il y a eu 9 à 6 pour les. Ouais, les Verigames, exactement, toi derrière ton écran qui vient de dire Verigames. Merci. Je t'adore. Donc, on va voir ce que vont nous préparer les DLC au niveau de leur jeu terreau. Parce que côté Verigames, ça va sûrement tenter un fast agression. Ouais, voilà, ça tente une agression comme tout le temps. Il tente toujours une agression sur Tuscan. Côté DLC, ça part au niveau du mid. Bon, Suiz a fait double frag, ça les a un peu calmés. Scream qui jette une jolie olive. Dédicace à Cédric de Power League. Avec ses olives, olives vertes, grenades, vous voyez un peu le truc.
Donc du coup, ça va être du 3 versus 3, la bombe qui n'est pas posée, Scream qui fait peut-être une erreur à s'avancer comme ça avec la bombe. S'il y aurait eu un Very Games, il se serait pris un gros poc. Shox, attention. Ah, Scream qui manque un peu de burst mode avec son Rafale Glock. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Donc en fait, le fait qu'il ait tiré en semi-automatique, ça a fait qu'il n'a pas pu tuer son adversaire du premier coup. Vous comprenez jusque-là. Et là, bah, il l'a pas fait. Du coup, bah, il n'a pas pu faire de frag, il va plus gagner 300$, il va plus gagner une HE gratuite. Voilà. Ah là là, la jeunesse. Donc, c'est un 3-2 de la part des LDLC, avec des deagles. Et il faut pas acheter des... faut pas rester en écho Glock ou USP, ça sert strictement à rien. Et Zanzaki qui prend une très reculée, on sait jamais avec les deagles, hein, une petite balle perdue. Il fait bien de jouer reculé. Shoxi. And Smith qui cover très bien la panta. Oh, Smith qui vient de faire un double kill. Et Existence qui calme un peu Scream au niveau du middle. Il reste plus que Uzi. Bon moment, 1 versus 5. Il décide d'aller en B. Et ça c'est bien joué d'aller en B. Il s'y doute pas vraiment, pas du tout même. À part NBK qui est un peu plus intelligent que les autres. Qui va tenter. Qui a entendu même l'info est donnée. C'est bon. Et voilà, il fait le frag! Oh là là! Si j'avais du talent, je vous aurais fait la voix de Fred de C'est pas sorcier. Je m'entraîne à la faire en fait. J'y arrive pas. C'est tout. Oh, NBK qui décide de sans complexe acheter une M4. Attention, ça peut être risqué mon ami. En espérant que tu ne fasses pas envoyer ton équipe en écho. Ça serait dommage pour toi. Et les DLC, ouais, c'est les DLC qui ont décidé, ah ça, en fait si c'est une bonne opportunité, d'avoir acheté, ils ont acheté des AK, ils te font même pas une deuxième écho. Excusez-moi. Oh, allez, Uzi qui ouvre le BP avec Scream. Il reste quand même, oh c'est Shoxi dans la porte, qui fait double frag de Shoxi. Il reste plus que Shox en 1 versus 2 face à Shoxi et à NBK. Il y a une fumée, profites-en, tu peux avancer en slow dedans, ça sert à rien de courir. Voilà, premier fry. Et ça c'est dommage, de la part de Choc, je comprends pas pourquoi il est à full, alors qu'il était pas blanc, on n'a pas entendu de... Ptoum! Ouais, je sais, j'ai mis mal la flash qui explose, c'est vrai qu'on n'a pas entendu la flash, et on sait pas pourquoi il est à full. Je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. Attendez, je regarde combien de temps il me reste tout seul. Voilà, côté DLC ça part en écho. Bon, dans tous les cas ils seraient partis en écho, donc bon, ils ont bien fait d'acheter honnêtement. C'était un risque à prendre, ça a permis de faire quand même 4 frags, bon, c'était plutôt rentable. Tandis que les DLC sont passés en B, sauf qu'il y a encore RPK sur le BP, RPK qui fait le double frag, RPK triple frag, ça sera tout pour lui. Reste plus que bah Uzi tout seul. Oh joli la part de Uzi, 1 versus 2, et c'est tout pour lui. Uzi c'est ce qu'il finit. Aïe, petite anecdote, petite remarque, j'ai vraiment remarqué que depuis qu'RPK est revenu chez Verigaz, il n'y a plus cette étincelle qu'il avait avec Nameless, avec Rocket. C'est-à-dire que il fait plus autant de trucs impressionnants. On le voit moins faire de trucs impressionnants. Donc je sais pas si c'est juste moi qui ai cet avis. Hein. Même si j'ai vu que beaucoup hein, l'avaient cet avis-là. Mais si vous, viewers, avez ce même avis, faites-le part dans les commentaires si vous voulez. Hein, qu'on en discute. Que... savoir pourquoi, etc. Même si j'ai une petite idée. Je vous raconterai ça après que Shoxi ait fait son frag. Voilà. Il tue Hisoka, et ensuite Smith, je suppose aussi Smith, qui est au niveau de la du tunnel, qui va rusher son adversaire, qui est l'OHP d'ailleurs. Oh, c'est dommage, on parle de Smith. Et Distance qui est très bien caché. Vous voyez, hop, il ne se fait pas voir par ces deux terreaux qui sont ici. Oh, dommage, avec PX qui avait une AK, il avait l'avantage. Parce qu'une AK, ça one-shot, au cas où vous ne le sauriez pas. Quand vous tirez dans la tête, en tout cas. Et ça peut être bien joué pour Shox. Il se doute, ah si ça se doute, vous voyez, sur Radar, ça look un peu la porte. Mais pas tant que ça. Hop là. Hop, petite flash, ça c'est bien joué. Oh, qu'elle diffuse directement. C'est un fac. Mais bon, c'est pas grave. Shox qui finit. Ouais, donc je disais,
Ah, RPK qui... Ah, c'est vrai qu'il a un peu baissé de niveau, quoi. Bon, c'est peut-être parce que tout le monde a gagné de niveau entre-temps. C'est vrai que le jeu n'est plus ce qu'il était. Hein, faut dire ce qu'il est. Mais en attendant, Shoxi, il a littéralement explosé, quoi. Même si avant il était monstrueux, là il est encore plus monstrueux. On a Scream qui est devenu encore plus monstrueux. On a d'autres joueurs qui sont prêts à prendre la relève, quoi. Peut-être pas encore, parce que RPK, c'est vrai que c'est la légende, quoi. La légende mondiale, faut dire. Il n'y a pas... Maintenant, de tête, j'ai pas d'autres joueurs qui pourraient le rivaliser, quoi. Attends, là, les DLC sont passés en B, je continue mon histoire après. NBK... Oh, joli, ça, double frag de NBK. La bombe qui n'est toujours pas posée, ça, c'est dommage de pas les... Oh, ne cite pas le frag, s'il te plaît. Non! Ah, c'est bon, il se va tuer. Oh, joli, ah, de la part de la PX. Allez, il reste plus que Shoxi, il a du 11-1, vous voyez sur le score. Il fait du 11-1, oh là là, Shoxi qui a peut-être pour le mettre. Il reste Shox aussi sur KPX. Oh joli, vous voyez quand je disais que Shox avait explosé carrément quoi. Il a explosé, voilà, avec la HE. Hein. Ouais, donc je disais mon histoire. C'est vrai que de tête, là, en joueur de la scène France, de la scène mondiale, je vois personne qui a pu concurrencer RPK au niveau du skill, au niveau du Reich. Peut-être Kodiak, mais Kodiak, honnêtement, quand on compare à RPK, il se fait défoncer Kodiak. Hein. Kodiak ne faisait que full sur ses vidéos en tout cas. Puis Kodiak était polyvalent. RPK, même s'il sait jouer à la WAP, c'est vrai que c'est plus un rage, quoi. Attention, petite agression au niveau de la Roomba. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que chez les tops, ça ne wait pas dans le tunnel. Hein. On n'a jamais eu de wait dans ce tunnel. Et c'est plutôt une belle affaire. C'est-à-dire que ça sert à rien de wait. Parce que plus on wait, plus ça sera spotted qu'on y sera. Donc pourquoi? Autant se faire spotted directement et les laisser se mettre en place, les induire en erreur. Et vous voyez, là ça fait une sorte de 2-2 et c'est bien joué. Shoxi qui s'est fait prendre en sandwich. Même si c'est vrai qu'il était au deagle et que les Virgals étaient tous enrombés. Mais bon, Scream, voilà, Scream double frag. Ça sera tout pour lui. Bah, X, il est là pour épauler un peu son coéquipier. Il dit qu'il finit. C'est vrai que de tête, ouais. Donc là, peut-être la relève va être prise. Shox pourrait le concurrencer, hein, mais en autre joueur, on va dire, en dehors de la scène française, parce que la scène française, pour moi, c'est celle qui a le plus de bons joueurs. Hein, faut dire ce qu'il y a. Francophone, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a Existence pour son lead in-game, et c'est vrai qu'il a ce qu'il a quand même qui est vraiment pas mal. Et Scream aussi. Donc c'est vrai que les joueurs belges ont vraiment du potentiel de fou. Donc la scène francophone, elle est vraiment surdéveloppée. Et bon, bah, pour moi, c'est la meilleure du monde, quoi. Avec peut-être les Amériques. Il faut arrêter de dire aussi que les Américains ne font que rush, hein, si vous voulez. Pendant ce temps-là, ça fait la même. Hein. Côté des DLC, c'est pour ça que je dis pas. Je pense que vous en êtes rendu compte. Hein. Ça fait deux dans le tunnel et deux pentas. Et vous voyez le VRM parce que vous tentez de faire une double écho pour pouvoir buy vraiment full stuff. PK qui est sur BPA. Est-ce qu'il va nous montrer. Oh là là, mais quel skill. Il met un petit one à bien placer. Il reste assez dur. 1 versus 2. Honnêtement, Scream est capable de le mettre et voilà, Scream qui le met. Scream on the fire, quoi. Sérieusement, 9-7. GG. Hop, je fais ça, mais on voit pas les scores, c'est vrai. Il y a eu du 9 à 6. 9 à 6, les LLC. Les Very Games qui ont presque le droit là, ils sont à 14 rounds. Alors que les DLC, ils ont vraiment du mal à remonter. Ils peinent vraiment à remonter. Là, il y a du... Ouais, enfin bref, ils sont à 9 rounds, je crois. Ouais, c'est ça, 9 rounds. Il leur faut encore 7 rounds, si je me trompe pas. Enfin bref. Côté DLC, ça va essayer de faire un slow. On peut le voir. Hein. Ça se voit, simplement, je vais juste que dire ce que je vois là. Pendant que, au niveau de la Roma, ça a essayé de cover et en même temps peut-être de faire le fake. Je pense pas que ça va faire le fake, non. Parce qu'il va avoir un décal de la part d'un des messieurs, voilà. Il était vraiment attendu là, la RPK. Hop, c'est parti, ça rentre. NBK double frag. NBK, ça c'est joliment joué. Ce qui fait il ne rentre pas dans le L parce que c'est spotted d'être dans le L. Joli la part d'NBK qui fait son triple frag. Allez, Shock qui pose la bombe pour les sous, ça sera déjà ça. Shock qui va peut-être mettre pour... Ah, c'est tendu. C'est tendu. Joli là, quand même la part de Shock.
pouvait rien faire, il était attaqué par deux fronts différents. Impossible à win. À win. Du coup, les Verigabs qui sont... ils sont bien, tout simplement. Ils sont très bien, même. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et on va continuer à parler en cette scène. Non, on va arrêter de dialoguer là-dessus. C'est vrai que je suis un peu en dehors du match. C'est pas cool. C'est pas cool parce que... Parce que c'est pas cool, simplement, à côté de l'LT. Ça... Ouais, je pense que ça va refaire la même. Ça va faire le 2-2. Ouais, ça, c'est ça, ça va faire le 2-2. Honnêtement, c'est un 2-2 qui marche vraiment bien, quoi. T'as pas besoin de wait, mais attention à Smith et machin, c'est Shox, excusez-moi, qui était au niveau du tunnel. Alors, il s'y attendait pas qu'il soit à 2, Smith qui fait son double frag, c'est bien joué, la bombe qui est dans le tunnel. Ça, justement, la bombe, c'est peut-être une erreur. La bombe devrait être, justement, au niveau de la Roma. Ça éviterait que la bombe soit perdue, comme ça, dans ce tunnel sombre et effrayant. Pauvre bombe, je la plante. Être dans un truc aussi sombre. Pour l'instant, la Pix qui fait tomber Smith dans le tunnel. Et Uzi qui va tenter de passer sur... il tentait de passer porte. Impossible. Ah, Scream qui met une petite tête. Scream qui est un des rares mecs à ne pas fouler. Ah, à noter. Bon, des fois, il le fait, mais... Ah, c'est rare. Et ça, c'est classe. Allez hop, APX qui vous le VPA, il reste plus que Existence, joli de la part d'Existence qui fait tomber. Oh, c'est bien joué Scream. Dommage la part d'Existence qui a un petit peu raté son goût. Excusez-moi, j'ai la gorge qui se dessèche. Merci. Donc voilà. Voilà, c'est pas si long que ça. De voir un coup, côté Verigame c'est en écho. Est-ce que ça va faire un push? Allez, tous en Roma. En Panta. Oh. Oh. Oh mon dieu. Oh, ça va aller surprendre ça. Pendant que ça fait un 3-2 côté DLC. Ça, vraiment, le 3-2, c'est la base en fait pour passer roi. Si vous voulez passer roi, ne faites jamais un rush massif. Ça sert à rien. Faites des 3-2 comme ça. C'est pas arrivé vous. Mais jamais tout seul. Parce que être tout seul, ça veut dire être mort. Parce que vous ne pourrez pas vous faire revenge si vous faites tuer. Oh, une musique qui se met à voler alors qu'une petite rafale bien placée, ça aurait peut-être pu faire quelque chose. Bon, je dis ça moi aussi, des fois ça m'arrive de fouler comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est un mauvais réflexe qu'on a. Et ça, je dis ça pour tout le monde, à part Scream, parce qu'il est trop fort et il s'accroupit pas. Et il foule pas aussi. Ça, c'est classe. Et Shock qui met le kill sur Existence. On voit que Scream va prendre cette ligne au niveau du préau. Sauf que bon, il a attendu la part de deux côtés différents. Oh, joli de la part de Scream! Oh, joli! Scream! Ah! Bon, papa! Scream qui fait triple frag. Voilà. Ah, et ça se déchaîne, là. Ça doit crier sur scène. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas de caméra sur scène à ce moment-là. J'aurais pu filmer et tout. Je vous promets, si un jour j'arrive à choper une caméra pour les ESWC, j'y vais, je filme. Et pendant les commentaires, je t'ai fait sur place, quoi. Je vous promets que je fais. Si vous m'envoyez une caméra, je le fais. En plus, j'habite à côté pour les ESWC. Donc je le ferai. Hey, pendant ce temps-là, côté LDLC, ça part en contrôle map, hein, on peut dire. Ouais, c'est ça, hein, c'est contrôle map. Ça wait un peu la rombée pour éviter que ça prenne dans le dos. Pendant ce temps-là, ça va essayer d'agresser l'OA. Excusez-moi. D'attendre que ça nous agresse. Ensuite, si on voit que ça nous agresse pas, on avance petit à petit. Et ensuite, on les défonce. Généralement, ça va passer au niveau du mid. Avec notamment Uzi, je pense qu'il va essayer d'avancer mid. Et ses coéquipiers vont avancer. Voilà. Sa petite erreur, le stuff en main. Ouais, il a le stuff en main, il pourrait se faire des cales et se faire défonce. Par contre, il met la tête, c'est bien joué. RPK double frag. Oh là là, Shock qui rate. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez. Shock qui calme un peu Isoka avec sa bombe, un peu trop avancé d'ailleurs tout seul. Mais bon, Shock était loin, il pouvait pas l'épauler. Du coup c'est normal qu'il soit avancé tout seul. C'est du 1 versus 3. Shock il est capable de le mettre là. Shock il est chaud bouillant. Sauf que je vous rappelle il y a eu 9-6 et le match est fini, il y a eu 16-11. Je vous laisse deviner le score. Et l'issue de ce round. Voilà, c'est la fin. C'est la fin tout simplement. 11-6, je vais mettre. Ah c'est bon, je peux pas mettre sur quoi, j'ai 2 minutes pour parler. Allez, allez, ah là là là, 16-11 pour les Verigames. Moi je vous retrouve
pour la prochaine vidéo sur Inferno, pas Ivery Games at DLC, je vous dirai pas le score, c'était un match qui a été vachement long par contre. Ouais, qui était vachement long, pourquoi? Parce que ça a été très serré dans les deux sides. Voilà, il y a eu des gros murs de tous les côtés. Et ouais, oui, j'avoue, encore Inferno, quoi. Ça va vous lasser Inferno. Vous voyez, il y a Toscane, quoi. Puis entre-temps, j'ai quand même fait des vidéos fun. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé comme moi cette vidéo, et bah, likez, abonnez-vous, commentez, quoi. Comme d'hab, quoi. C'est la base. Et je commence à refaire mon rappel pour les vidéos, si vous, vous êtes amateur de CSS, vous jouez à CSS, vous êtes en team, vous avez fait un match de fou, de folie, quoi. C'était super serré. Bah écoutez quoi, vous savez quoi, je peux vous le commenter. Ce que vous avez à faire, c'est me l'envoyer par message privé. Je regarde vite fait, bien sûr, il faut que ce soit du 55, hein. Si c'est cool à regarder, c'est pas si c'est serré. Franchement, je vous le commente, et vous aurez l'exclusivité d'être sur la Miao TV. Et j'espère notamment que vous aimez l'intro que je vous ai faite depuis 2-3 vidéos. Hein, si vous aimez pas, dites-le moi, hein, j'en ferai une autre ou simplement j'en ferai pas, hein, entre nous. Voilà, sur ce, à la prochaine. Moi je vais de suite commenter la partie sur Inferno. Et voilà. Allez, salut. Le bouton, il est là. Comment je me suis...